Donc, bonjour à tous, on a fait notre départ symbolique. Je vais donner la parole à Halima, à la sénatrice, Halima Thierry-Oumediene, qui va nous expliquer un peu quelles vont être les suites judiciaires de cette affaire. Au préalable, il faut savoir que le droit aujourd'hui, c'est un outil au service du politique. Et c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Nous sommes en Grèce, un état de droit avec des règles et la justice doit être indépendante du politique. Nous avions jusqu'à aujourd'hui une décision arbitraire du politique qui refusait ce départ. Nous avons aujourd'hui, changement de situation, un écrit, c'est-à-dire un refus administratif contre lequel nous pouvons faire un recours, bien entendu. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes devant une situation qui va s'étaler sur 3 temps. Un premier temps, c'est on fait un recours contre le refus qui vient de nous être octroyé et qui est une entrave à notre liberté de circulation. Donc, nous faisons un recours. Ce recours se fait dans un référé d'urgence. Ce référé d'urgence va être déposé devant, on va dire, on aurait dit en France le tribunal administratif, qui va pouvoir nous dire si oui ou non ce refus de circuler, cette entrave qui nous est imposée, est une entrave légitime ou non. Ou légale plutôt, parce que légitime c'est autre chose, mais légale ou non. Et en fonction de cette réponse, nous pourrons agir, aller plus loin ou non. Deuxième temps, c'est nous considérons pour le moment, puisque le recours n'est pas encore passé, nous considérons actuellement que nous pouvons partir, puisque le recours n'a pas encore abouti, d'accord ? Il va être déposé. Donc nous pouvons partir. Et si nous partons, est-ce que cet acte de partir va être considéré comme illégal et comme un délit ? Si oui, s'il est considéré comme un délit, il faudra qu'ils interviennent pour nous barrer le passage physiquement et nous embarquer. Et puis le troisième temps, ça va être ce que nous, en tant que citoyens européens, nous sommes victimes aujourd'hui dans un espace européen, Schengen, nous sommes aujourd'hui victimes d'un abus de droit, puisqu'on nous interdit la liberté de naviguer et la liberté de circuler dans des eaux territoriales grecques, donc européennes. Alors à partir de ce moment, chaque citoyen européen doit déposer une plainte contre l'État grec en disant « vous nous avez empêchés de circuler ».